Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rockstar Revolution avec notre Bassanji à gérer. Et je me suis souvenu, je me suis rappelé ce que on devait faire avec nos 100 dessous et, c'était prospecter des nouvelles ressources avec notre prospecteur. On va donc le faire de ce pas et il a trouvé un nouveau site de ressources là-bas visiblement. Et bah c'est parfait, tu vas y aller mec. Hop, on le sélectionne, donc quand on le sélectionne ça apparaît. Et en avant, il va y être en deux tours. Donc ça coûte cher, on peut le faire que tous les 9 mois, mais ça peut être très très rentable, bien sûr. Et du coup, je préfère le faire tout de suite, même si techniquement, on est encore très loin de tout, exploiter. Alors, on pourrait faire une station balnéaire supplémentaire ou un petit jardin public. On va faire un petit jardin public. Du côté de... de Carrick. Voilà, c'est ici qu'ils ont un petit problème d'environnement. Je vois pourquoi d'ailleurs. On n'a rien construit encore, même si bientôt il y aura des mines, mais pour l'instant on n'a rien fait. Et c'est pas grave, on va mettre un petit jardin public quand même. Ah, par contre, ils ont besoin de... Ils ont pas beaucoup de plaines dans le coin. Hop là. Voilà. Ça va améliorer un petit peu ça, et ça sera pas plus mal. Et je pense qu'avec notre dernier point, on va continuer de booster elle. Alors qu'il galère un peu à se déplacer dans les collines. Hein. Mais bon, visiblement pour l'instant, il n'y a pas d'autres campements visibles. D'ailleurs, je vais peut-être la recentrer finalement plutôt. Parce que si je fais tout le tour par là, ça va me prendre très longtemps. Et mettons qu'il y a un autre campement qui arrive par ici, ça peut être gênant. Allez, c'est parti. Alors, des fondamentalismes demandent que Massa Alinwari, un festival religieux de la foi des anciens, devienne un jour de fête nationale. Ça plairait au plus grand nombre, mais le festival a des liens avec un massacre apocryphe de Carifil il y a 600 ans. Oula. Il y aura également des conséquences économiques si nous fermions tous les commerces pendant un jour de plus. Alors, certains, plus 5% d'approbation des religieux, plus de divertissement, moins 8 d'approbation des Carifis. Et possiblement moins 5 d'approbation des conservateurs. Non, on va refuser. Moins 4% d'approbation des religieux. C'est comme ça. Voilà, là on a terminé notre petite notre objectif. Donc on débloque directement, quand on termine une quête hein, pour un ministre, on débloque directement la politique qu'il est en train de chercher, quel que soit son niveau d'avancement. Et en plus, on a une petite faveur. Donc ça, c'est cool. On va part travailler sur le permis pour les food trucks. Ça va baisser un petit peu l'approbation des urbains parce que n'importe qui pourra pas vendre sa bouffe comme ça, mais c'est pas grave. Et on a une faveur du ministère des Finances qui pourrait nous servir pas à grand chose pour l'instant, je pense. Ça permet d'améliorer les marchés, ce genre de trucs, mais on va le garder. On a une prospérité qui est franchement pas mal, hein, ce qui fait que du coup on a des impôts qui rentrent. Et ça c'est plutôt plaisant. Est-ce qu'on pourrait pas se permettre de fabriquer... Alors du coup, on a niveau source. Là, on fabrique largement assez de bouffe industrielle. On en exporte 40 et on en a encore en trop. Par contre, on n'a que 139 de plastique. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Pourtant, on envoie ce qu'il faut comme pétrole. On pourrait éventuellement exporter un petit peu plus de pétrole. Est-ce que tu serais motivé par un peu plus de pétrole, toi? Allez, bim. Hop, et en plus tu serais motivé par un petit peu plus de nourriture industrielle. C'est parti. Alors là, on a tout intérêt à le faire, ça, hein, parce que... Alors, sauf si on change les settings, mais par défaut... So, does the chicken talk, or... On a déjà eu celui-là. On l'a eu juste à la fin d'un épisode la dernière fois, quand la poule parle. Oui, donc je disais, on a tout intérêt à le faire parce qu'en fait on exporte que le surplus. Donc là, si jamais nos villes se mettent à consommer 119, et ben on exportera plus rien, ce sera acheté en interne. Mais par contre, pour en attendant, tout est perdu. Donc là, on a 58 plus 40 qu'on exporte, ça fait 98, on en perd une trentaine quoi. Une vingtaine, pardon. Donc voilà, on va pouvoir en vendre 20 de plus, c'est pas plus mal, ça fera des sous. Et par contre, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on fabrique un peu plus de plastique. Donc on pourrait détourner un peu de plastique d'ici vers là, mais c'est un peu dommage. On pourrait fabriquer plus de plastique et l'envoyer vers des usines de fabrication.
Mais on va commencer par une usine. Alors, un endroit où il y a des travailleurs et pas mal d'environnement. À Saba. Oh, bah, il y a une magnifique... Allez, hop, c'est parti, on va vous mettre une usine. Il y a un magnifique petit zoo, là. Et donc, on va fabriquer des objets de consommation avec ça. Voilà. Par contre, on peut pas faire notre usine de plastique tout de suite. Mais on va quand même commencer à mettre un peu moite-moite là et à fabriquer des objets de consommation qu'on pourra vendre dès qu'on en aura. Alors toi, c'est ce tour-là ou pas que je t'ai bougé? Non, c'est ce tour-là, donc tu peux aller ici et faire ta petite recherche. Donc on a une chance, vu qu'il est niveau 3, de trouver des ressources qu'on n'a pas. Et c'est le cas, on a trouvé de l'uranium, c'est très très bon ça. Ça veut dire qu'on pourrait directement se lancer dans l'industrie nucléaire si on voulait, et éventuellement le nucléaire au niveau militaire. Même si la communauté internationale bien sûr n'apprécie pas, donc on a intérêt à se planquer. Et puis ça coûte assez cher en plus. Et en plus on n'a pas moyen de le vendre, hein, l'uranium. Normalement c'est une ressource très rare qu'on ne peut avoir que si on a des bonnes relations avec les grandes puissances. Vous voyez qu'au niveau 3 là, on peut importer de l'uranium. Importation de nourriture industrielle illimitée et de l'uranium. Là on a réussi à en trouver en local, ce qui est franchement cool. Donc on pourrait du coup directement passer au réacteur nucléaire si on voulait. Ou alors construire un petit site clandestin et commencer à faire éventuellement des bombes sales, ce qui pourrait nous servir si jamais quelqu'un nous attaque. Bien sûr, la communauté internationale n'est pas fan de l'idée, hein, vous en doutez. Donc faut faire gaffe à ce qu'on fait avec ça. Yes. Toi ma chère, accélère et recentre-toi un petit peu s'il te plaît. Donc pour l'instant, il faut attendre qu'elle ait fini de se déplacer, voilà. Pour l'instant, ça a l'air d'être calme. Avant de passer le tour. Ah, une immigration illégale ici. Le journal du Bassinji a commencé à publier des articles d'opinion de plus en plus critiques de la politique du gouvernement. Arrêter les auteurs et mettre une amende. Cela a déjà attiré trop d'attention. Laisser publier ce qu'ils veulent, personne ne s'intéresse à la presse écrite. Probable, moins trop d'approbation. Bon, on va laisser la presse écrite. Et on aurait besoin d'un hôpital à Carrick. Ok, pas de soucis. Donc là, du coup, on a l'immigration illégale. Alors ça veut dire deux choses. Déjà qu'on a ce pays-là, beaucoup de gens qui veulent rentrer, plus que ce qu'on autorise légalement. Et ensuite, que si cette personne, on la laisse, elle va aller se poser, elle rajoutera des travailleurs, mais elle fera baisser l'approbation de tous les gens du cru, des immigrés légaux aussi, et en plus, elle ne paiera pas d'impôts. Donc ce qu'on a comme possibilité quand c'est comme ça, c'est de prendre une unité militaire et lui envoyer sur la tronche. Ce qu'on va faire pour essayer de la repousser. Par contre, ça veut dire qu'il va falloir que on travaille avec eux. C'était bien eux, hein. Le Kalshara, c'est ça. Parce qu'on n'a rien contre l'immigration techniquement, mais tant qu'à faire, autant qu'elle soit légale, c'est plus intéressant pour tout le monde. Voilà, on voit qu'il y a 15 candidats à l'immigration et 12 visas autorisés, ce qui fait qu'on a potentiellement 3 immigrants possibles. Donc on va autoriser une vingtaine de personnes pour venir. Si jamais ils veulent sortir, pourquoi pas. Donc qu'on le voit, hein, il y a une meilleure qualité de vie, une Karasha, alors je sais pas pourquoi, voilà. Better quality of life, une Trakigistan. Visiblement, il y a une meilleure qualité de vie au Kalasa, mais ils veulent quand même sortir. Donc, moi je dis. Voilà. On n'anticipera pas ce qui peut se passer dans ce pays. On va se contenter de gentiment rediriger vers la sortie les gens qui voudraient immigrer clandestinement. Alors ici, on a dit qu'il fallait qu'on fabrique plus de plastique, parce que vous voyez ici ça s'est coupé en deux, hein. Maintenant ici on fabrique 92 de bouffe et 47 d'objets de consommation. Donc si on est capable par contre de faire plus de plastique, on
a encore un bon score environnemental ici, donc on va la faire là, l'usine. Peut-être assez loin des villes si on peut. Voilà, là, là. Très très bien ça. Dans les petits, près des petits villages. La nourriture, ça va, mais faut qu'on détruise des camps de l'ONU. On va détruire un petit camp de l'ONU. Pour aider un peu notre popularité aussi. Et donc voilà, on va fabriquer du plastique ici, très bien. Alors techniquement on pourrait les détruire intégralement, hein, les camps de l'ONU, mais comment est notre score là? Ça va, 4 ça va. C'est correct, c'est pas fou mais c'est correct, on peut se permettre de garder ça. Notre hôtel rapporte pas des masses, malheureusement. Ouais, il nous faudrait des ports, un aéroport, etc. Enfin, un peu plus de trucs qui attirent les gens. Mais ça coûte cher. L'aéroport, c'est 90. On pourrait faire d'autres stations balnéaires éventuellement, mais bon. Alors, ici, par contre, on va être limité. On fabrique 64 de mines. C'est pas ouf, hein. Elle est pas hyper productive, cette mine. En plus, on a un peu de corruption dedans. Donc la corruption se génère naturellement entre guillemets dans les bâtiments au fil du temps. Il y a des moyens de la baisser, notamment avec les journalistes. Pourquoi on pourrait se permettre d'en faire un, on n'a pas les sous. Ça nous mettrait bien dans le mal si on en faisait un. Donc on ne va pas le faire. mais on pourrait, je sais pas pourquoi, là il nous dit bien qu'on n'a pas assez de sous, là c'est bugué. On pourrait avoir un journaliste, le journaliste a différents effets positifs, hein, qu'on verra le moment venu. Pour l'instant, on va se contenter d'augmenter un peu notre production de bauxite. Alors la mine la plus avantageuse, c'est celle-là. Hein, ouais. Il va falloir faire une mine, et après une route, bien sûr. Hop. Voilà, donc on n'a plus de sous, mais là par contre... On va augmenter énormément notre production d'objets de consommation entre le plastique et la bauxite supplémentaire. Et ça va faire beaucoup plus de choses à vendre. Hein. Vous voyez qu'ici on en vend 47. Ça veut dire qu'on peut en vendre plus puisque j'ai jamais mis un truc à 47. Et ici on en vend 22, on peut donc en vendre aussi plus. Et ça va réaugmenter dès qu'on aura plus de plastique à injecter dedans. Donc c'est tout bénef. On a un revenu qui est du coup très très correct hein, malgré nos prêts. Pour l'instant, ça se passe pas trop trop mal. Je pense que au prochain tour, si ça se passe toujours aussi bien, on va peut-être même investir dans des unités militaires supplémentaires pour couvrir un peu plus notre pays, parce que là, on a quand même pas mal de villes. S'il y a des camps du FLB qui apparaissent, le temps qu'on arrive, ils peuvent commencer à raser des bâtiments et bien foutre la grouille. Et ça, ce n'est bien sûr pas très très agréable. Et vous voyez qu'on a suffisamment de prospérité pour bientôt envisager des impôts progressifs. Hein. Ce qui bien sûr va gueuler hein, les gens. Les gens ne vont pas apprécier du tout l'idée. Enfin les riches en tout cas. Alors ici ça n'a pas changé, on est toujours priorité aux voitures, censure. Ah il est passé en insécurité sociale, vous voyez le petit con là. Donc nous on veut de la sécurité sociale nous. Et il est passé aussi en éducation nationaliste ici. Mais ça, à la rigueur, c'est moins grave. Au moins, on a de l'éducation. Allez, on passe le tour. Alors, je sais pas si on va pouvoir, parce que je crois que s'il atteint une ville, il se dissout dedans. Les vétérans qui ont servi de leur révolution indienne à la première guerre civile du Passage sont mécontents des faibles pensions qu'ils reçoivent. Alors, on peut s'excuser et allouer des fonds, ou alors perdre la loyauté. On va allouer des fonds, non, bien sûr, les vétérans, hein. Après tout. Hein. Ils sont quand même battus pour. Hein. Alors, elle a besoin de notre aide pour améliorer l'approbation des citoyens Carifi à Rumaï. D'accord. Certaines villes demandent de l'électronique grand public, certaines villes demandent des biens de luxe. Ah merde, on n'a pas ça. Il va nous falloir de l'or. Donc ça, il va falloir qu'on le traite très vite. Parce que par contre, même si c'est juste un qui est demandé, les gens vont très très vite gueuler. S'ils ont pas. Donc il va falloir qu'on s'en occupe. Mais normalement on devrait avoir de quoi investir, hein, c'est pas un problème. Ici on va cramer un point et se déplacer par là.
Il faut qu'on construise un hôpital. Alors lui, il a terminé ses panneaux solaires, ce qui est parfait, parce que mine de rien, ça commence à être un peu la dèche. Tu vas te concentrer sur le renouvellement des infrastructures. Allez, il faut qu'on construise un hôpital à Carrick. C'est où Carrick? Carrick, c'est là. Un hôpital à Carrick. Bah, ils ont pas de problème particulier à Carrick. Ils sont à 7 de santé. Mais bon, admettons. On va leur mettre un petit hôpital. Par contre, niveau espace de construction, c'est un peu la dèche. On va le mettre là. Comme ça, il va instantanément débloquer sa nouvelle politique. Voilà. Hop. Et du coup, tu vas pouvoir commencer à travailler sur le recyclage électronique, je pense. Ouais, le recyclage électronique. C'est parti. Et on a un petit point de ressources naturelles, et ça, c'est très très bien. On va pouvoir... je pense améliorer ça. Parce que là, le problème, c'est que ce truc-là est tout près de la ville et donc du coup fait de la pollution. Or, on peut l'améliorer, ce qui réduit la pollution et en plus augmente la production. Donc c'est parti, on va faire ça, on va claquer ça là. Donc on a bien investi. Ici, on n'exporte que 65. Il va falloir tout de suite qu'on négocie un accord d'import d'or. Alors eux, ils nous aiment bien, on pourrait importer de l'or de chez eux. C'est parti. Importer 60 d'or, donc voilà. Ça nous paraît, ça nous coûte rien tant qu'on n'importe rien, mais... Dès qu'on commence à importer, par contre, ça va nous coûter de l'argent. Ici, est-ce qu'on pourrait pas envoyer un petit peu plus d'objets de consommation? C'est parti. On va faire un petit tour aussi sur les quotas. 10 candidats, 12 visas autorisés, c'est bien. Et ici, 7 candidats, 12 visas, c'est pas mal. Et là, du coup, ici, ça a dû se rééquilibrer un peu. 15 candidats, 12 visas, c'est bon. Parfait. On n'est pas trop mal sur la diplomatie. Il va vraiment juste falloir qu'on s'occupe de ça. Et on doit améliorer l'approbation des Carifis. Ah, et elle a terminé aussi sa politique. Elle a terminé les visas de travail. Est-ce qu'on ferait pas un peu de visa touristique? Approbation des immigrés illégaux. Bon, pour l'instant, si on arrive à éviter les immigrés illégaux, on va pas prendre ça. Des statuts bof. On pourrait commencer à travailler là-dessus, hein, vu que pour l'instant notre approbation est quand même pas mal remontée, sauf au niveau Carifi. Ça pourrait être une occasion. Très bonne idée, en plus elle est motivée, c'est parti. On va travailler sur le statut égalitaire pour les Carifi. Et là du coup, on va pouvoir mettre un petit visa de travail. Ça va permettre d'augmenter notre force de travail, qui est pas... trop dans le mal, hein, ça va, mais ça pourrait venir assez vite quand on commencera à construire. Surtout qu'on a quand même de l'argent qui rentre, donc on va construire. Là, il va falloir couvrir ces besoins là. C'est parti, on passe le tour. J'ai oublié de bouger, je crois, toi, mais tu rentres. C'est l'agent de renseignement que j'ai pas bougé, mais c'est pas grave. Il est central dans le pays, donc alors là, c'est la question, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il se retrouve dissous là. Votre Excellence, les bases NGN demandent une aide financière pour payer la garde d'enfants. Je pense que vous devriez accepter. Mais oui, complètement. Les bases NGN ont le droit de travailler tout comme leur mari. Alors, il veut améliorer l'approbation de tous les citoyens. Ah oui, ah oui, effectivement, quand il dit que c'est des trucs nationaux, il vise 60% d'approbation globale de tout le monde. Ah, il va falloir se bouger. Alors ici on n'a plus de limitation de vitesse. C'est parti. D'ailleurs, il fallait qu'on rebouge des trucs. On va commencer à travailler sur l'éducation ultra laïque. Du coup il est content. Il est séculier lui, donc oui, ça lui fait plaisir forcément. On va donc commencer à travailler là-dessus.
Et on va s'attaquer à préparer ça. Donc ici, il nous faut de la bauxite et de l'or, et des usines. On a déjà la bauxite, on n'a pas l'or. Ah, j'ai pas regardé d'ailleurs, est-ce qu'on peut éventuellement importer des lingots d'or directement? Ouais, on va importer des lingots d'or, ça va nous faire économiser un petit peu de production pour l'instant. Même si ça va bien sûr coûter plus cher que l'or. Hein. Cette nation est instable, faut faire gaffe, ça peut péter. Et du coup, tout ce qu'on a besoin de fabriquer, en partant du principe qu'on a des lingots d'or qui rentrent, c'est des usines. Donc on va faire une usine. Alors il y a du travail ici, l'environnement est pas dingue, mais il y a du travail. Enfin, il y a des travailleurs, pardon. Donc on va construire une petite usine ici, et je pense... Donc on va faire de l'électronique. Est-ce qu'on a assez pour une autre usine? Non, ça nous coûte 40 malheureusement. On a assez pour plus de champs, on va faire plus de champs. Voilà, un peu plus de nourriture parce que mine de rien, là, la demande augmente et ici aussi. Et on va pouvoir se débarrasser de notre dernier camp de l'ONU qui est où? Qui est là. Ce qui va être... Toute corruption dans ce bâtiment, dans le camp des Nations Unies, on s'en fout. Ce qui va nous permettre de travailler assez efficacement sur le sur l'approbation justement. Par contre du coup notre production d'énergie s'est un peu cassé la margoulette, donc on va organiser une rencontre avec sa faveur, lui on n'arrive pas à en faire autre chose pour l'instant, pour pouvoir investir dans du panneau solaire. Alors le panneau solaire c'est pas la teuf de production hein. Ça fait que plus 15 par rapport aux 140 de la de l'usine électrique. Mais par contre, c'est de l'énergie propre. Donc c'est quand même pas si mal. Dans notre contexte où l'environnement est assez compliqué à gérer. Et on va en faire un du coup ici. Hop là. Alors c'est pas demain qu'on va être en énergie 100% propre, hein, mais c'est quand même pas si mal. Alors toi du coup... Pour l'instant, tu détectes rien. Et ici, bah du coup, là, on perd de l'approbation parce qu'ils sont pas satisfaits. Ils voudraient un accès à l'aéroport. Ah, ils voudraient qu'on ait un aéroport, les gens. Eux non, visiblement. Eux oui, ils voudraient un accès à l'aéroport. Bon, j'ai l'impression que c'est ceux qui ont des demandes là, qui veulent un accès à l'aéroport. Donc j'espère que dès qu'on aura commencé à les gérer, ça ira. Là demain, prochain tour on va gérer ça. Ensuite il faudra qu'on gère ça. En attendant, on va utiliser nos sous. Non, on va utiliser nos sous pour rien du tout. On gagne une somme correcte, mais c'est pas dingue. On va plutôt entraîner un petit blindé qu'on va envoyer à la frontière ici. De besoin. Et on passe le tour. Alors, un rapport récent des Nations Unies liste le Basenji comme une base d'opération privilégiée des organisations terroristes. Quoi ? Critiquant notre manque d'investissement dans la sécurité internationale. Putain, mais c'est là qu'on travaille le plus, quoi. Alors, on pourrait investir, mais on n'a pas ce qu'il faut. Investir plus pour financer, pour influencer les Nations Unies. Mais on n'a pas de ministère des Affaires étrangères, on va être obligé de discréditer le rapport. Donc on perd un en sécurité internationale et peut-être un en réputation diplomatique qui est déjà pas folle. Ça va. Mais je suis d'accord, hein, le rapport était franchement bidon. Hein. Je suis désolé, mais on investit un max dans la... Dans la sécurité internationale. Nos frontières sont fermées, on a des troupes. Alors ici, on a réussi à faire des pensions pour les vétérans, donc on n'est pas obligé de l'activer. Hein. Mais ça permettra, c'est un des seuls moyens de remonter la loyauté des unités militaires, qui descend très vite et qui est très compliqué à remonter. Donc du coup, autant pas s'emmerder à le faire. Et je pense que... On va partir sur ce sympathique petit truc.
Une guerre psychologique, c'est pas ouf. Déplacement forcé. Pas trop dans notre trip non plus. Les armes chimiques non plus. Plus de portée pour les hélicoptères, pourquoi pas. Non, on va partir sur Deus Ex Machina pour faire des tanks bipèdes. Alors il nous faudra un site clandestin le cas échéant, mais c'est pas grave. Là on va être capable de faire une usine. Non, il nous faut 40. Putain, il nous manque un tout petit peu de sous, donc on est malheureusement pas capable de faire ça. Est-ce qu'éventuellement on peut importer ce genre de choses? Oui, eux ils en font. Ça regarde un peu d'en importer. Non, on va se permettre d'attendre encore un petit tour avant de le faire. Du coup, on va pas dépenser masse de sous. On va aller jeter un œil à nos politiques. Ici, on s'aligne pas. Par contre, je pense que. Comment est notre. Notre réputation diplomatique est un peu merdique. Donc, on va travailler sur la diplomatie plutôt aux finances. Et ben on va passer, on a une bonne prospérité, donc on va passer aux impôts progressifs. Alors les conservateurs vont faire la gueule. Là il n'y a pas de miracle là-dessus. Priorité aux voitures. Alors notre renseignement est pas dingue, c'est un peu chiant, on n'a pas vraiment de moyen de savoir le renseignement, là ça manque d'un petit plus X par tour. On est obligé de plus ou moins le calculer nous-mêmes. Ici on est passé en visa de travail, là on reste en défense nationale. Autoriser la torture, non, on pourrait monter un peu ça. Là, ça nous enlève un de renseignement quand même, on a déjà pas des masses. L'environnemental, le coût de construction des bâtiments producteurs de ressources augmente de 50%. On va peut-être attendre d'avoir fait de nouveaux bâtiments avant de faire ça. Donc là on a bien fait le taf. Bon, bah, du coup si on va. Alors déjà, ce qu'on va faire c'est que on va prendre notre agent de renseignement. Tu détectes toujours rien. Ça me paraît un petit peu trop calme à mon goût. Hein. Très honnêtement, je sens l'arnaque. Ah, ils veulent un accès au port aussi. Il faut qu'on construise un port également. Le port, ça coûte combien? Alors, l'aéroport, c'est 90. Et le port, il est où? Il est là. C'est 60. Ouais. Ils sont très demandeurs en ce moment-là. On est un petit peu dans le mal. Hein. Au niveau budget... On n'a pas encore les investissements, qu'est-ce qu'il faut? Ah, je me suis gouré, j'ai fait les subventions. C'est l'investissement pour le futur qu'il fallait, hein, c'est pas grave, on le fera après. toi du coup, bah t'es arrivé là, tu sers à rien. Alors je sais pas du tout... Comment on fait pour voir nos immigrants illégaux? Je n'en avais jamais eu avant. Démographie... Illégaux. Voilà, je dois pouvoir voir ça si je décoche tout. Ah non, logique. On a trois. On a autant d'immigrants illégaux que ça. Ah, on en a pas mal en fait, hein. On en a carrément pas mal, hein. Donc il va falloir qu'on s'en occupe. Alors, lui, il voulait un jardin public. On pourrait le faire, ça serait fait. Avec notre argent. Mais on va gagner entre 30 et 56. Non, faut absolument qu'on sécurise ça. On va sécuriser ça avec de l'importation. De toute façon, quand on commencera à en fabriquer, on n'aura plus besoin. Et on va faire le petit jardin public que le monsieur demande ici. Voilà, hop, ça il va débloquer sa politique immédiatement en plus.
Ça mange pas de pain. Et du coup, on va commencer à travailler sur le déplacement temporel. Parce que c'est quand même la classe. Un petit déplacement temporel. Et normalement, avec nos points, on peut améliorer une unité. Je pense qu'on va améliorer. Voilà. Donc plus une, un PV, donc plus un hélicoptère dans, le groupe, hein, tout simplement. Ici on a combien de temps? 8 mois pour aller à 61% et lui il veut qu'on monte l'intégralité de tout le monde à 60%. Autant dire que celle-là je suis franchement pas convaincu qu'on y arrive. Hein. Prosper. Après on a quand même des bons scores un peu partout, il n'y a que l'environnement qui pêche et à Carif là il y a un problème de sécurité. Visiblement. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah sans doute parce qu'il y a les immigrants clandestins qui se sont pointés. Bah ouais, c'est un peu décevant mais... On va passer le tour. Les étudiants réglament une loi qui interdit toutes sortes de discriminations envers la communauté LGBTQ. Les clercs fondamentaux vont déconseiller de faire une telle déclaration de soutien. Nous savons que certains basangiens religieux soutiennent les droits LGBTQ. Nous n'avons aucune donnée quant à leur nombre. Alors, on pourrait promulguer une loi. Et les religieux n'aimeraient peut-être pas. Ne pas faire une loi, mais favoriser une politique qui va dans ce sens. Ok. Refuser ce chef suprême qui décide des lois. Non, on va faire une loi, bien sûr, nous, pour ça. De l'approbation des religieux, mais c'est pas grave. Est-ce que ça nous a fait monter ou descendre? Pour l'instant, c'est kiff kiff. Les religieux par rapport aux séculiers. Ouais. 87 citoyens, 68 citoyens, 98, 31, 82, 26. On est encore un pays plutôt religieux. Hein. Du coup, il y avait un problème de sécurité qui s'est réglé tout seul. Peut-être parce qu'on a déplacé une unité dans la province. Tant mieux. Toi. Toujours rien. C'est trop calme. C'est un peu beaucoup trop calme, je trouve. Alors, on va faire notre usine. On va arrêter l'épisode bientôt, mais on va faire l'usine avant que j'oublie. On a un score environnemental pas mal ici. Alors, il n'y a pas beaucoup de travailleurs, il n'y a qu'une seule ville, mais on va quand même faire notre usine là. Ça permettra de développer un petit peu la province. En plus, on peut la construire sur des collines. On va pas se gêner. Et ici, on va fabriquer ça. Voilà. Alors toi, du coup, il va te falloir combien de temps pour ça? On sait pas trop hein, combien de temps. Parce que ça, si on arrive à le faire, les Carifis vont être un peu plus contents. Mais 61%, c'est chaud quand même. C'est chaud, c'est chaud. L'attractivité est pas folle hein, dans le coin, c'est un bled, hein. J'aurais peut-être pas dû le faire là. Bon, y a quand même un zoo, enfin une réserve naturelle, c'est pas si mal. Mais bon, je voulais faire ça avant d'arrêter l'épisode parce que sinon je vais oublier. Vous voyez qu'ici on importe, hein, ça nous coûte rien, enfin en tout cas ça nous rapporte rien techniquement, mais il me semble que ça a un coût. Hein. Je sais plus où on le voit, mais il me semble que ça nous... enfin, nos citoyens achètent en tout cas. Il y a moyen de le voir ça quelque part. Peut-être dans le budget. Ouais voilà, importation 18, c'est ça. Nos exportations nous rapportent 55 quand même. Hein. Bientôt, on va pouvoir exporter un peu plus. Nourriture industrielle, objet de consommation, ouais. Il va falloir qu'on augmente notre fabrication de nourriture industrielle assez rapidement. Parce que c'est un peu la dèche.
Mais on fera ça lors du prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées pour le BazNJ, laissez-les moi. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.